Pour l'instant, oui. Pourquoi? Allez, continue. Qu'est-ce que tu fais? Mais personne d'autre joue? Si. Mais bah, les gens, ils savent pas quoi faire, donc ils passent, ça va vite, donc ouais. C'est nouveau ton tour. Mais si, on sait pas trop quoi faire. Le gnome, il est pas là, donc... Bah, il, en tout cas, pas il a pas l'air d'agir. Hein. Je sais pas quoi faire. Prépare un sale coup. Hein. Ah bon? Je sens le gros sort à la Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Dolores. Hein. Est-ce que je peux monter où il y a trop de monde, là? Il n'y a plus personne du côté où il est. Attends, je peux faire un truc. Ouais, mais l'échelle est. Je vais voir aussi où il est parti, Rémi. En faisant tomber. Non. Combien de dégâts? Faut absolument que je descende l'échelle. Bah oui, oui. Ah oui, bah oui. À part si tu voles. Si tu tentes de sauter, mais. Ah! Ouais. Donc j'ai descendu l'échelle et c'est tout ce que je fais. Ok, Dolores. Parce que là, il y a une échelle aussi, c'est ça? Ouais, qui monte. Oh bah je veux bien aller de ce côté, ouais. Et ben rapproche-toi de l'échelle. Et tu monteras au prochain. T'auras fini de monter au prochain tour. Mets-toi dessus, mais t'es pas encore monté. Non, mets-toi dessus, dessus, dessus. T'es pas encore totalement monté. Imperia. J'attends quoi. Regarde, bouge ton cul. Viens. On a déjà un de moins, c'est bien. Est-ce que j'ai galère? Tu continues de fouiller? Est-ce que je peux fouiller et me déplacer? C'est pas encore ton tour, je suis con. C'est après. Oui, donc vas-y. Tu peux te fouiller, te déplacer? Ouais. Non, c'est ça prend ton tour de faire fouiller. Par contre, je peux me déplacer et fouiller. Alors, non, en gros, si tu veux, t'es genre à 4 pas. Ouais, ok. Donc tu tournes un peu dans la zone, quoi. Si tu trouves rien, tu te déplaces un peu. Il y avait quoi ici, au fait? Une échelle. Une échelle. Qui montait vers une cuve. Je te fais encore chercher? Ouais. Ça, ça. Tu te tranches un peu le doigt sur un truc. C'est une petite lame d'un son, genre un petit couteau, un truc, et tu. Ou tu t'es piqué dessus. Enfin, ouais. T'as senti un truc en métal sous ton doigt. Tu fais t'en fais quoi? T'es juste à côté de ton... du gnome. C'est, ça a l'air fin et métallique. Je sais pas, j'essaie de pouvoir en touchant précautionneusement. C'est genre un peu comme ça, tu vois ça. Ah, t'as fait. Ouais. Tu prends? Ouais. Bah écoute, tu l'as dans la main. Et Rémi. C'est vrai que ça va devenir rigolo. Tu peux te déplacer juste d'une case en arrière? Dis-moi. Non, je. Morgane, tu peux te déplacer. Voilà, parfait. Donc, Rémi. C'est vraiment plus bête, hein. Mais moi, je ressors juste là, comme ça. Hop. Mais c'est tout. Bon, il fait toujours noir. Ariel. Il est à l'étage ou... Ariel, bah. Oui, il est à l'étage. Faut que je fasse quoi là? Faut que je monte, c'est ça? Oui. Bah je monte. Non, c'est l'échelle est là-bas. Faut passer dans le noir. Oui, y'a pas un autre cube là. Mets-toi en bas de l'échelle. Tu peux pas passer à travers lui? Attends, pourquoi j'ai plus de cube moi? Alors là t'es dans la cuve. Je peux se baigner. Tu peux pas traverser à travers ce mec? Ou le réveil? Il est en haut lui. Au fait j'ai plus d'armes spirituelles. Ah y'a pas d'échelle ici? Non. Elle est pas là l'échelle. Ah d'accord. Et moi j'ai plus de cube. Il est où le cube? Ah oui, il est parti avec le gnome. Merde. Y'a pas l'autre cube, c'est ça? Ok. Parce que moi je suis censé être aussi en hauteur. Dolores. Bah toi t'arrives en haut. Qu'est-ce que tu fais? Et tu me vois pas. Tu ne vois rien là. Bah j'attends. Pourquoi t'es monté? Intérieur. T'es parti faire quoi toi? T'es parti fouiller? Je sais pas ce qu'il fait. Ah je sais pas. Il est dans le noir là. Le mec il est dans le noir. T'es. Bon, je suis un peu toute seule, mais a priori je sais pas non plus que je suis toute seule. Enfin. Tu vois qu'il y a Dolores sur la plateforme d'en face, à côté du corps de l'autre gars. Bah j'ai. Je pense que je vais changer d'arme. Je vais prendre mes deux attaques. Enfin, je sors ma rapière et mon épée courte. Ok. Par précaution. Alors. Ils sont où ces cons? Ça va être marrant. Ah voilà, c'est ceux-là. Putain. C'est ceux-là. Ah ouais, il veut faire des invocations. Toi, tu viens de choper un truc dans le noir, t'es tout content et. Pouf, 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 pouf. Tu te retrouves avec 4 coups dans la gueule. Raté. Raté. Raté.
N'oublie pas que j'ai protection contre le mal. Oui, bah d'autant plus. Je viens de faire code des résultats entre 4 et 6. Bon, t'es... Oh. Ça va, tu sors un petit l'air, petit courant d'air. Ouais. Je sais, tu l'as chopé, ça a dû faire une sorte de courant d'air. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils sont boulets, hein. Mahogan. Ah, c'est les bâtards? Je sais pas. Pourquoi t'as fait ça? Ah, d'accord. Ouais. Bon. Comme des trucs qui ont essayé de me taper. Ou alors, il y a de gros courants d'air parmi ces cuves. Bon. Il y a une fenêtre ouverte. Allez, mec, vous êtes sérieux? Tac, 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 tac. Je prends l'échelle. Ah ouais, alors là, par contre, faut pas se foutre de la gueule du monde, tu vas t'en prendre deux. Voilà. T'as combien de CA déjà? 16. Ah merde. Voilà. Je prends un. Ah non, encore un autre. Ah bah non, tu te fais les deux. Ah merde. Alors ça fait combien? T'es sûr? T'es sûr que je ne suis pas pris au même avec protection contre le mal? Allez tous vous faire. Elle est là, Ariel. Il faut que tu mettes ça sur tout le monde, protection contre le mal. Allez, je peux pas. Elle est là. Tu tombes, je tombe ici. Bon, tu n'en es quand même pris, hein. Ah! Donc tu t'apprends de prendre un coup de poing dans la gueule, donc t'es arrivé jusque là-bas. Ok. Et Rémi. Est-ce que si je fais perception du mal, je vois dans le noir le mal, enfin je le perçois? Non. C'est nul ça, je perçois des âmes, putain. C'est nul. Bah écoute, j'attends le pavot en avant, là, voilà. C'est pas que je fasse. Ariel, elle monte! Bientôt les gars, je vois plus. Donc j'arrive en haut? Et je peux me déplacer encore un peu? Word. Oh mince, bah je voudrais fouiller le. Il y a personne d'autre qui a une cube, enfin qui a un petit cube? Je voudrais fouiller le. Personne d'autre qui a un petit cube, enfin. Un petit cube? Un petit cube. Bon bref. Je vais fouiller. Tu le fouilles? Ouais. Quoi? Alors, bouchez-vous les oreilles. Attends. Comment il s'appelait déjà Vakshtag? C'était Vorkstag, c'était pas Vorkstag. Hein. C'est bon, comment c'est bouché? Parfait. Alors, il a l'air d'avoir pas mal de potions sur lui. Ouais. Il y en a. Il y en a 5. Ok. 5 potions et t'as l'impression qu'il y a. Il y a une baguette dans sa poche. C'est pour l'instant, c'est tout ce que tu as. Il a pas d'or, il a rien d'autre. Non, mais c'est pas compliqué. Okay. Ensuite, Dolores. Dolores. Oh, le combat le plus chiant du monde. Quand même. Ouais. Parce que là, on a rien. Et crois-moi, je l'ai fait gentil. Hein. C'est la première fois que je l'ai fait jouer ce combat. Ils étaient tous dans la cour et ils étaient tous dans la cour. Le chien, les deux mecs, les deux singes. Tous. Les bâtards. Le bordel. Tous ces bâtards. Mais ils ont pu utiliser la carte du coup. Oui. Ouais, parce que nous on les a tous tués un par un quoi. Et Dolores. Les décapités vachement vite en fait, les a dégommés tous un. Clara Peria. J'ai pas une. Je vous sors de l'ordre d'initiative. Dès que vous sentez que vous voulez agir, vous me le dites. J'ai pas genre une bombe ou quelque chose comme ça. On serait depuis vraiment bon, voilà. T'es alchimiste toi, non? Et les doigts de fée, ça sert à quoi? C'est pour désamorcer les pièges. Et les attaques en finesse? Pour attaquer sans ta force. Bref, on va passer. On va sortir l'initiative. Hein. Alors, de nouveau. Hein. Bon. Encore? C'est pas possible. Toucher. Et toucher. Deux points. Bien là aussi. Tu commences à en avoir ras le cul. Ça. Pas le dire. Au plein cul. Oh, t'inquiète. Suivant la. Il l'a frappé où Suivant la contenance. J'ai pris un coup d'œil couille. Ouais, mais là tu peux pas trop. Ah ouais, ils sont comme ça. Dans les couilles. En fait, si on se cassait en fait, parce que. Bah. Bon, Mahogan, tu sais pas qui c'est qui t'attaque, mais le mec est pas sympa. Hein. Ou les mecs d'ailleurs. pardon. J'en ai oublié. Oh, la petite hachette dans le bidon. D'accord, donc maintenant, quand ils étaient deux, il attaquait pas beaucoup, et maintenant qu'il est tout seul, il attaque beaucoup. Ah bah, ils sont contents, ils ont le bidon dans le noir. Il. Moi, j'essaye de me barrer, mais...
Et là, tu montes sur une cuve en fait, donc tu marches de cuve en cuve maintenant. Bah non, mais là, je monte là. Non, c'est une cuve. Ah, c'est une cuve. Ça, donc il faut que tu marches sur les cuves. Mahogan. Je monte à l'échelle. Donc tu t'es pris deux coups de poing et un coup de hache. Mahogan, tout va bien. Je monte à l'échelle. Oui. Ok, t'es en haut de l'échelle, tu tâtonnes et tu es sur le rebord d'une cuve plein d'un rempli d'un liquide vert et qui a une odeur assez corrosive. Ah, c'est la cube. Ah merde, c'est la cube. Ah, je pensais que l'échelle elle menait là-haut. Tu es maintenant en sécurité près d'une cuve d'acide. Chapeau. C'est trop bien. Rémi. Mais tu peux pas faire léviter les cheveux et le truc. Rémi. Mais pas moi-même. Rémi. Bon, les gars, non, votre dans la pièce au fond. Ouais, mais c'est lourd. À l'étage. Pas une partie. Attends, mais il faut qu'on se trimballe le bolos là. Ariel. Non, je pense qu'on peut le laisser crever gentiment. Non, on le laisse pas crever. Ariel, tu continues ce que tu étais en train d'entreprendre? Oui. Sachant qu'il a bien crié. Bon, je le tire. Aidez-moi à le tirer. Bah écoute, déplace-toi un petit peu. Bah, je l'aide. Et moi, je peux crever comme une merde. Tout le monde s'en fout. Tu l'aides, après elle maintenant. Donc Impérial, je te rappelle, je t'ai sorti l'ordre d'initiative, donc dès que tu veux agir, faut que tu me le dises. Hein. Donc ensuite... Bah de toute façon, elles sont loin, donc le temps que j'arrive... C'est toi qui décide. Ça explose l'acide, quand tu le brûles. Je sais pas. Oh. T'as des connaissances en chimie? Je ne sais pas, je demande. Ça produit beaucoup de lumière. Je descends de l'échelle et je me prépare à ce qu'elle ramène le corps pour pouvoir les aider à le monter après. Mais elle le ramène vers là-bas. Hein. Comment ça elle le ramène? Elle le ramène vers l'étage. En alchimie, pas ça. Ils sont en train d'aller vers le paladin. Je dois aller de la main dans la pièce derrière. Il n'y a pas de. Il y a une case. J'ai pas moyen de venir là. Il n'y a pas justement faut que tu descendes, que tu ailles à l'autre échelle et que tu montes. Ok, d'accord. Ah oui, c'est bien conçu. Chloé, c'était une question rhétorique. Donc tu fais quoi? Bah, je vais vers l'échelle. D'accord. Ensuite. Je suis là ou pas? Enfin, je peux être là? Oui, t'es là. Je suis dans la merde. T'es débloqué sur ta cuve, toi. Quelqu'un va. Bah, ouais, mais je pensais que ça remontait là-haut l'échelle. Alors, t'entends ping, 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 comme si quelqu'un montait au barreau et puis. Quelqu'un essaie de te foutre un coup de hache dans les jambes. Hein. Mais quelqu'un rate. Mais quelqu'un touche. Mais là, t'es bloqué. Ah, mais si, laisse-toi tomber sur sa gueule. Eh oui, puis je vais tomber, puis je meurs. Merci. T'es vraiment la merde. Bah ouais, casse-toi. Mahogan. Ouais. Tu sors. Et tu es monté, donc tu... Ah bon, merde. Oh putain. Pardon. Ah bobo, l'inquisiteur. Merde, merde. Ah, vous entendez? Ah, poum. Ah, ça c'est Mahogan. Il va falloir aller le sauver. Donc Mahogan. Ou sinon sinon Mahogan en reste. Je veux bien sa fiche. Hein. Putain. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Et ça va bien? Ça va. Ça va. Ça va. Bon, ça va. Ouais. Pas plus ou moins quoi. Je pense à ton nouveau perso. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Et qu'il est pas un petit dragon cette fois. Mais Rémi, il y en aura un gros. Mahogan! Mahogan! Et bon bah. Eh, y'a là. Ah! Et ben il est tombé. Bah, ouais, mais. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez pas s'il est tombé, vous avez entendu. Ah! Poum! Bon, on a reconnu la voix de Mahogan. Oui, oui, oui. Moi, je suis faible ou pas? Ça fleure pas bon, les enfants? Parce que je suis faible. Assez, ouais. On va buter cette table. Donc, Ariel. Bah, moi, je continue. Continue, continue, je me fais des énigmes. En fait, je sais pas ce que je peux faire, c'est... Mahogan a l'air mal en point. Si je canalise l'énergie positive, est-ce que... Tu sais pas où il est? Tu peux, mais tu ne sais pas où il est. Ouais, donc mais tu peux au moins soigner tes potes, dont lui. Mais t'entends tout, là. Sauf si je l'exclus, ouais. Mais lui, tu sais pas où il est, donc s'il est pas dans la zone, il sera pas dans la zone. C'est quoi, c'est 9 mètres? 9 mètres. C'est combien de carreaux? C'est 4. Ah oui. Ça encore une fois, toi, tu ne sais pas. Ouais, mais je sais pas. Tu ne sais pas. Donc. Mais je peux faire un truc au hasard. Non, ouais. Pas tu peux une canalisation pour ça. Tu peux canaliser, mais ça va au moins soigner tes potes. Mais lui, tu sais pas. Bah pour l'instant. C'est 6 secondes. Quoi? C'est 6 secondes. Bah, je continue à avancer.
Donc vous le tirez à deux, hein, allez-y, vous arrivez jusqu'au paladin. Donc Dolores, tu l'aides aussi.